man. Y'all need to get your hands on all that for free or for fee. I really don't care. Put your hands on it. It's going down. You heard me? Nowhere, so get used to me. I just wanna chill and twist the lock. How many albums have y'all put out now? I mean, y'all put out a whole bunch of stuff now. I mean, why don't you just go through the discography real quick? Get your hands on all that for free or for fee. I really don't care. Put your hands on it. It's going down. You heard me? Nowhere, so get used to me. Hello, hello everyone, comment allez-vous? Ça va ou quoi, c'est bon mercredi là? Alors,
Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bah, on fait du Doom, Doom Eternal. Unchained God, part 1. Et c'est parti, mon kiki. Putain, ça faisait un moment que je voulais le faire, mais j'avais jamais trouvé le courage. Là, je me suis dit, c'est bon, là. On va arrêter les conneries, New World, les MMO, tout ça. Allez, c'est parti, on envoie du lourd, du Doom. Et let's go, j'ai sorti la casquette, les lunettes, c'est parti. Attention, si je suis chaud, je vais me prendre un petit whisky. Let's go. Du coup, Doom Eternal, on va lancer ça. Avec le casque, c'est quand même mieux. Bon, je sais pas si je vais voir quelque chose avec ces lunettes, mais bon, pour le stream, c'est stylé quand même. Let's go. Et voilà que, on va s'installer, tranquille. Et on passe à la scène suivante, scène transition. Bethesda Interactive. Oh, ça va, ça va. S'il y a plein de lumière et tout, machin, ça va peut-être mieux pour mes yeux de daron. Hein. Les lunettes de soleil en pleine nuit. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que le début de semaine n'a pas été trop difficile pour vous. En tout cas, c'était tranquille, tranquille, que ce soit au taf ou autre. On commence à repartir sur des bases saines pour cette nouvelle année. Qui se profile. Alors, The Ancient Gods Part 1. Let's go. Alors, j'ai pas vu de vidéo ou quoi que ce soit. J'ai aucune idée de comment ça va s'enquiller. On s'en fout. Moi, je vais y aller en cauchemar. Parce que bah, on n'a pas peur. Puis de toute façon, si c'est trop dur, je vais diminuer la difficulté. Mais ça devrait le faire. J'espère. On profite un petit peu. Là, il est 20h20, je pense, d'ici. Ouais, on va dire 45 minutes, 1 heure grand max. Je vais aller voir mon fils qui est dans sa chambre et je vais lui dire d'aller dormir. Bon, ça doit être entre guillemets les vacances. Mais voilà. Précédemment, dans Doom Eternal, les forces de l'enfer s'abattirent sur Terre et le Doom Slayer revint au secours de l'humanité. Les prêtres de l'enfer furent abattus et le Slayer porta alors sa vengeance jusqu'aux cieux, même pour mettre un terme à l'invasion démoniaque. Là, il défia les Makers, les anges trempeurs et vainquit l'ancienne Khan qui les avait pervertis. La conquête de la Terre fut empêchée, mais nouvelle menace. Les démons restés à Yordak ont corrompu ce royaume, autrefois béni, et menace d'utiliser la dimension supérieure comme autoroute vers de nouvelles conquêtes. Si personne ne les bannit, l'existence de toutes les choses sera en péril. Pour les arrêter, le Slayer doit maintenant trouver le Séraphin, une personne mystérieuse de son passé. Il n'y a que lui qui puisse guider le Slayer à celui capable de repousser les démons d'Urtak et les empêcher de revenir une fois de plus. Let's go. Monsieur, la tempête perturbe le signal, mais on devrait pouvoir le téléporter sur le pont principal. Docteur Hayden, tout est prêt pour le lancement, monsieur. Quand vous voulez. Samuel Hayden. D'ailleurs, Samuel Hayden, c'est pas ça, Raphaël. Nous ne pourrons reprendre le contrôle du Tac. Vous avez brisé le sceau en réveillant l'icône du péché dans le monde. L'équilibre entre leurs deux dimensions a été rompu lorsque les démons se sont emparés du Tac. Portail prêt dans 3, 2... Allez, c'est parti, on va tout péter. Hein. Alors... On va attendre que l'intro roll. La mort de la Khanmaker était nécessaire pour sauver la Terre des démons. Mais elle avait un prix.
Alors, petite différence notable par rapport à Doom Eternal, quand même, mais pas des moindres. C'est pas Mick Gordon qui s'occupe de la bande originale, c'est quelqu'un d'autre qui a essayé de reprendre à peu près le thème. Mais on sent déjà que c'est un petit peu moins inspiré. Il y en a qui aiment. Moi, de ce que j'ai pu entendre, parce que en vrai, avant même d'y avoir joué, j'ai essayé d'écouter un peu la bande son, parce que Doom sans sa bande son, en fait, c'est pas vraiment Doom. Du coup, on sent vraiment la différence, vraiment. Donc, je sais pas si je vais être autant à fond que dans Doom et Doom Eternal. Enfin bon, bref, on verra bien. C'est pas trop ça qui va faire la différence, je dirais. Mais ce qui est bien, surtout, c'est au niveau de l'histoire. Je trouve que depuis Doom, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau du storytelling. Donc c'est très, 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 très plaisant au final. Donc c'est parti, let's go. On va tuer des monstres. Alors, je sais pas si c'est moi. Hein. Oula, c'est super fort par contre à mes oreilles. Je vais baisser un peu. Je sais pas si c'est moi, mais. J'ai l'impression que le monstre. Le jeu est plus rapide. Merde, je me trompe tout le temps de touche. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ok. Ah merde. Alors, vous m'excuserez hein, si le stream n'est pas en 30, enfin en 60 fps plutôt, c'est beau. Parce que tout simplement, si je mettais en 60 fps avec le bitrate à 3500, bah ça serait beaucoup trop, comment dire, là. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé à 30. Voilà. Il y a des accélérations en fait quand je tue les monstres. Ah il en est où ? Ah ça va. Ah, ça y est, j'ai accès bleu. Mission faite. T'es basse, bah oui, je veux bien te croire. Ah, fuck! Aïe, aïe, aïe. Premier fail.
Alors, les Doom sont beaucoup plus durs. Enfin, Doom Eternal est beaucoup plus dur que Doom premier. Oh merde. Ah mais putain, sérieux là? Je prends mon lance-roquette plutôt, hein. Sérieux, hein? Je crois que j'ai de la vie là-haut, mais je suis pas sûr. Ouais. Vous m'excuserez, hein, le niveau est pas trop là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Déjà de 1. Du coup, je suis en ultra cauchemar du coup. Il y a aussi beaucoup moins de munitions. Ah putain. Putain, vous gagnez partout. On se tire. Ok, d'accord, ça ne marche pas pareil. Ok, d'accord. Ah mais putain, c'est pas vrai.
Putain, je suis mort. Mauvaise tactique. Très mauvaise tactique. Mais t'es sérieux là? Oh putain, il y en a de la dose. 1, 2. Ah mais putain. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. L'enculé. C'est vraiment bien géré ces machins. Je pensais pas que c'était aussi dur. Hein. Je vais diminuer la difficulté. L'enquête, j'ai pas avancé d'un iota quoi. Difficulté. On va faire ultra-violence. Si c'est vraiment trop dur, bah, on va encore diminuer. Mais là, en l'état, c'est vraiment dur. Hein. Ah mais wow. Non, il est pas facile Calderin. Je pensais pas qu'il serait aussi dur. Je vais encore diminuer, sinon j'arriverai jamais à avancer. Bon, on veut de la difficulté, mais quand même là. Là en vrai c'est vraiment vraiment dur.
fait, faut vraiment bien gérer ces munitions déjà. Et en fonction des ennemis, bah, ils ont des faiblesses en fait, tu vois. Là je suis full niveau vie. Ouais, je vais essayer de augmenter un peu l'armure. Un peu de lance-flamme. Bon là ça a été un peu gaspillé. Oh, putain. Armure, armure. Non, de... voilà, des fois je me retrouve bloqué par 150 000 mobs, je sais pas d'où ils sortent. En plus ils font super mal genre. Leur faiblesse c'est les grenades dans la gueule. Bam. Ok. Là ça commence à aller un peu mieux. Ah, il est pas mort, lui. Non, deux. Après, j'utilise pas toutes les armes aussi. Il y a le minigun, tout ça, j'utilise pas trop trop. Ouh. Ok. En tout cas, bienvenue à toi, Calderine Féroce. Oui, oui, bien sûr, franchement. J'adore Doom, c'est mon petit kiff. Ah, mais putain. Munition épuisée. Verrouillé pour l'instant.
Ah, c'est rouge. Bah, par où il faut passer? Il est... J'espère que vous appréciez Alors, hop, hop. Bon, le fail. Tac, 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 tac. Tout le temps, je suis que dans mes cours. Alors, point faible, tourelle. Alors, la tourelle est un démon mineur à longue portée. Si vous rapprochez trop, si vous visez trop longtemps avec vous, elle se cache. Son œil, son point faible, tirez sur point faible, de lourds dégâts. Confusion, quand même, pour savoir. Point faible des démons. Ok, d'accord. Je suppose qu'il faut que je prenne ça. Ok, d'accord. Alors... Ok, d'accord. Merci. Oh putain. Mais... Ok, d'accord. What? Hop là. Ouais, j'ai l'impression que j'ai une sorte d'accélération quand je... C'est trop bizarre. Démon renforcé, génial. Ok. Salut Berserk, merci d'être passé. Je crois que t'es en stream du coup. Oula. Hop. Alors, il faut remettre tes runes. Tu as le boost de vitesse sur le glory kill. Ouais. Attends. Merci d'être passé Berserker. Oui, il faut que je remette les runes. Mais écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Du coup, je sais plus du tout, mais alors plus du tout comment faire. Mais il me semblait que j'avais la rune qui me permettait de ralentir le temps quand je sautais. Et que je vais utiliser une compétence secondaire. Et là en l'occurrence... Oh putain. Oula, je fais n'importe quoi.
Wow. Wow. Je suis là. Putain. Je suis la chasse au PV là. Mais tu vois, ce qui est fou quand même, c'est que c'est pas non plus l'IA la plus dingue, tu vois. Mais j'ai, comment dire, c'est juste des démons, hein. Et l'IA, elle est pas vraiment non plus la plus dingue. Mais waouh, je veux dire, elle. Ils utilisent bien l'arène, le décor, il bouge, il contourne, il reste pas statique. Et j'avais pas eu ça depuis Fear en fait. Sauf que voilà quoi, Fear. Hein. Les soldats ils bougent trois fois moins vite. Là c'est partout. En plus il y en a beaucoup. Donc ah, c'est vraiment plaisant à jouer quoi, en solo. Bien quand même, ils font des dégâts et tout. Ils bougent tout le temps. C'est un truc de dingue. Donc c'est très challengeant. Et donc plaisant aussi. On va mettre les runes parce que les sauveurs ne sont pas liés. Ouais ben. Je vais voir ça un peu plus tard. Bah, je peux m'en sortir avec ça déjà. Et je verrai quand on rentrera dans le, comment dire, dans la citadelle, je crois. Comment on rentre dedans? Ouf. C'est vraiment intense quoi, genre. Oui, mais comment on fait pour entrer dedans? Ah, mais il y avait un double damage ici, j'ai même pas vu, tu vois. Peut-être. Non, c'est. Oui, putain, c'est fort le son par contre. Ça m'éclate les oreilles. Je sais pas vous, mais. Alors, ici, j'ai verrouillé. Ok, non, je peux pas. What? J'ai pas cet effet, c'est combien de temps? Ouais, non, mais. Tout à fait conscient du fait que ça n'a absolument rien à voir avec Call of Duty et tout ça. C'est bien pour ça que j'adore ce jeu en fait. Ah voilà, ah, quand on cherche un peu, on trouve. Tu dois adapter ta vitesse. Tu veux des tips de base pour apprendre à te battre? Bah écoute, vas-y, hein, dis-moi tout.
Moi je suis toujours preneur, j'aime bien apprendre. Et en fait, de ce que moi j'ai vu, la plupart, tu vois, c'est que je pense qu'ils mettent des binds de touches sur leur souris pour switcher d'armes genre à la volée. C'est comme ça qu'ils font des méga combos de la mort. Sauf que je suis vraiment pas à ce niveau là, j'ai envie de m'amuser, tu vois. Mais vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout. Ok, d'accord. Déjà. Wouhou! Mais je pense que je dois plutôt négocier ça, hein, de le faire pour enfin entrer dans le fun zone. Ok, j'entends ce que tu dis. Ah, tu entendais pas ce que je disais tout à l'heure. Désolé, puisque le son était tellement fort. Donc oui, c'est le rebind des touches, surtout au niveau de la souris. D'ailleurs, c'est une Logitech machin, donc je sais plus, c'est une 502. Donc j'ai une, deux, trois touches sur le côté. Et en vrai, ouais, je sais que en gros, je devrais faire un cycle en fait de d'armes. C'est-à-dire par exemple, je pense que c'est comment il faisait le gars. C'était une roquette, un ray gun, un super shotgun, une roquette, un ray gun, un super shotgun. En gros, sur les gros monstres de base, en gros, ça permettait de, sur un enchaînement, de presque tout one shot. Et d'économiser en fait des munitions, parce que tout ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, c'est tirer beaucoup. Et en fait, je suis en train de niquer mon pool de munitions à chaque fois sur des gros machins, alors qu'ils ont des faiblesses. Et re-berserker. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais, j'ai vu les mecs comment ils faisaient les rotations sur les gros monstres, tu vois. Mais j'ai la flemme. En fait, j'ai envie de tirer, me défourailler. Pas envie d'optimiser forcément le bordel, tu vois. Mais ouais, après, peut-être à un moment, quand je referai un run, ou peut-être partie 2, je vais essayer d'optimiser le truc. Mais là, j'ai juste envie de tirer, je m'en... pas les steaks d'optimiser le truc. Non, franchement. J'avais déjà vu des vidéos et le mec, il faisait des sortes de... pas des speedruns, mais on va dire qu'il rentrait... mais juste deux armes pour commencer. deux armes. Alors, on va essayer super shotgun déjà. Parce qu'en général, ça fait beaucoup de dégâts. Super shotgun et Reagan. On peut essayer ça. Super shotgun Reagan. Allez, c'est parti. Sniper plus super shotgun sur ta souris, je fais ça aussi. Ok. Alors, je vais aller dans les paramètres. Commande. Et c'est où qu'on fait déjà? Je comprends plus rien. Personnalisation des touches pour Slayer. Donc, change les armes. Arme suivante, shotgun. Super shotgun. Je vais le mettre là. Et baliste là. Tac, tac. Pas mal. On est bien là. Hop. Ouais, déjà, c'est pas la même. Hein, tac, tac. Voilà, c'est un peu gaspillé pour... ah merde, des petites merdes. Ok. Ah, j'ai pas besoin de ça, moi. Tac, tac, merde. Ah.
Ah, j'ai besoin de munitions. Oula. Ouais, voilà, je... Ah, quoi? Je suis bloqué. Un petit zombie là. Si. Un petit imp. Même les imps ils sont dangereux. Putain, il... Tu vois, il m'esquive. Il me bait en plus. Ah mais putain, les obstacles quoi. Mais ah, et il spawn devant toi comme ça en mode au calme. Ah, t'es basse, bah oui, j'ai bien fait quoi. Hein. Mais putain, l'obstacle de merde. Ah, ah. Non, j'ai plus de mission sur Monsieur Bien. Ah! Fuck. Ça ne leur a rien fait! Sport, hein. C'est intense le bordel. Et en plus j'ai même pas utilisé le double damage. Wow, 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 wow. Oh putain. J'ai plus de balles. Ah. Voilà. Hey. Ah merde. Putain, j'avais même pas vu les démons. Les démons de minuit. Oh merde. Oh non.
Ah oui, mais j'ai plus de balles. Oh shit. Oh shit. Ah merde. Carburant insuffisant. Ah bah tu vois, c'était pas si difficile. MDR. En vrai, j'ai beaucoup plus galéré la première fois que j'étais tombé sur les maraudeurs là. Alors que j'ai dit mais putain, ils sont trop forts et tout machin. Puis en vrai, bah ouais, dès que t'as le combo et tout, c'est ça va. C'est ok, ok tiers. What? 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 Ah fuck. Qu'est-ce que tu dis? Alors, du coup, tu le sors le combo PB-SSG. Alors, PB-SSG, c'est quoi ça, PB-SSG? Alors, Super Shotgun, PB, c'est quoi? C'est PB, c'est quoi? Je vois pas, c'est quoi le PB? Precision Bolt. Ah, Sniper. Ben... Allez. Why not? Tellement ça va vite. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que c'est moins fun. Dans le sens où ça fait pas des... des explosions dans tous les sens, tu vois. Moi, j'aime bien quand ça pète. Donc... Bon, ben, on va tester ça, tiens. Alors, sniper. Alors, où est le super shotgun? Il est en 5. La baliste. Alors, je vais mettre la mitrailleuse là. Attends, on va rétablir les paramètres par défaut déjà. Super shotgun là. Mitrailleuse là. Ah merde! Ah non, 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 c'est pas le bon. Oula, 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 oh, doucement. Pas trop vite pour mon cerveau de daron là. Alors super shotgun et canon lourd. Ok, d'accord, on est bien. Tac, 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 tac. Oh, munitions faibles. Bah, donne. Même pas peur. Là, j'ai peur. Bravo. Oh. Il est où? Il est où ce démon? Cours. Ouais, après ça va. Mais en vrai, ce que je devrais faire, tu vois, c'est je sais pas comment tu pourrais faire en fait ça. De biner en fait genre 3 voire 4 voire 5 armes, tu sais, genre des cycles avec juste la molette.
Et je pense que c'est possible, tu sais, de faire des sortes de macros avec Logitech, machin, où genre à chaque fois que tu fais un clic de molette vers le bas, ça va aller sur telle arme, et ensuite tu fais tes enchaînements comme ça, et puis ça revient sur le premier cycle. Donc je suis sûr que c'est possible de le faire, mais voilà, comme je t'ai dit, j'ai un peu la flemme. J'ai lancé le jeu et tout, je me suis dit, j'ai envie de défourailler comme un dingue. Après ouais, c'est des combos qui sont super puissants, hein. Moi j'ai vu les mecs jouer, ils faisaient que ça quasiment. Où est-ce que je dois aller moi d'ailleurs? Nani. Ah oui, mais c'est ça que je devais faire. Alors c'est... je te conseille pas ça. En fait, c'est pas une histoire de cycle. Vas-y, dis-moi tout. Sensei, Monsieur le Slayer. Dis-moi tout. Alors, c'est une histoire de je rencontre tel mob, j'ai telle option, j'utilise tel combo. Bon. D'accord. Ok. Donc, pour toi... Ouais, ok, je vois. Bah après, en même temps, ouais, c'est, ça paraît logique parce que t'as des monstres qui sont plus sensibles à tel truc, quoi. C'est comme les monstres avec des boucliers, bah, ils sont plus sensibles au plasma gun. Tout à fait. Après, t'as l'éternel lance-roquette, là, par contre. Y a pas de fin, quoi. C'est juste toi. T'es sérieux là? J'ai failli me péter la gueule. Oui, merci quoi. Bon, du coup, tu m'emmènes où, saloperie de machin? Ok, c'est bon. Oula. Oula. Je suis bloqué. Je peux plus bouger. Ok. Ah, je devais tirer. Ok, d'accord. Doom qui se transforme en platformer. Alors. Hop, un petit mob comme ça. Ok. Merde. Oh, mais il... C'est un enfer. Ah, fuck. Munition faible. Ah, j'ai plus rien. Ok, ça marche. Bah là, j'ai carrément fucké le bordel. Complètement fucké le truc. Oula. Ouais, si on me dit pas, on peut aller là. Oh putain. Oh putain. Ah mais, les arènes par contre, elles sont vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup plus restreintes. C'est n'importe quoi. Je peux pas bouger. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'ils avaient une armure de malade. Regarde la taille de l'arène, c'est tout petit. Est-ce que je l'ai ou pas? Ok.
Mais what? Ok, d'accord. C'était quoi ça? Ok, d'accord. Faut que je pète un truc. Sinon, je vais galérer. Et c'est lui. Merde. Ok, d'accord. Normal. Ah, c'est... Par contre, ces démons-là, c'est... Oh, ils sont vraiment casse-couilles. Il faut vraiment les tuer avant, là. C'était pas une bonne idée. Putain. Pas évident, hein, bordel. Ok, merde, je vais manquer un truc. Je suppose que je dois taper dedans. Oui. Bon, je fais une petite pause les gens, je reviens dans 5 minutes, même pas à peine, le temps que je dise à mon fils de dormir et qu'il se calme, etc. Et on revient. Ciao, ciao.
skills, bro. You know what I'm saying? Give me that beat. Yeah. Yo, don't smoke all the L's, so I'm gonna bust your ass. Yeah, but you know, everybody be trying to do that double time shit, man. They be sounding the same, bro. Let me get that, yo. Now it's my pleasure to to introduce. Thank you very much. Les gens, on est de retour
pour jouer de mauvais tours. Bon, alors, let's go. Ah là là. En tout cas, la difficulté de Doom Eternal me surprendra toujours par rapport à Doom. C'est incroyable comment le jeu, en fait, est devenu mais beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est fou, ça. Et la première fois, quand j'ai joué à Doom Eternal, mais j'étais surpris. Genre, quel est donc ce jeu? Les mecs, ils ont craqué, quoi. Merde. Ok, d'accord, j'ai plus de mission. Yes. On va faire avec. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ce genre là, je sais pas c'est où. Attends, mais comment je fais? Alors, tac. Voilà. Oh putain. Super Mario Bros. Ma précision aux fraises, merci. Au revoir. Non. Ça sent le boss, on va trouver dans le genre. Oh putain, il y a un dog. Putain, j'en ai marre d'être bloqué des fois. On va cheater, hein. Okay.
d'accord. Lui d'abord. On verra le reste après. Mais non. Wouhou. Par pitié, arrête de bouger. Séraphin n'est pas loin. Je l'indique sur votre ATH. Bordel. Oui, génial. Oh, ça. Connerie du Warden. Localiser le séraphin. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre ici? Alors,
Oui. Un peu. Putain. Un cyberdémon. What? Ok, j'ai une mission. Bordel. Alors, Seraph, où es-tu? Par où je dois passer pour te récupérer? Ouf! Eh, c'est du sport hein, ce jeu. C'est pas le genre de jeu où tu fais des heures et des heures tellement ça te... Ouf! Ok, d'accord.
Ok. Ça pue le boss. Combinaison de plongée. L'eau mais ça s'épuise progressivement. Bouteille d'oxygène. Et Oups. Non. T'es sérieux? Je vais commencer. Alors. Alors, il faut aller où après? C'est bien beau, mais on va. La plateforme juste là.
Et d'accord, c'est un fucking thème, je peux pas le détruire. Ah putain. Oh. C'est un enfer, il va trop vite. Toujours pas de péter ce bordel. Protège, je sais pas quoi. Ok, d'accord. À 300 mètres sous le pont principal. Je vous ai indiqué le meilleur point d'accès. Alors, j'aime bien. En le sûr, il y a des monstres partout, mais tout va bien. Ouh.
Intense. Mon Dieu, on est sous l'eau maintenant. Ok, il y a des requins. Le Séraphin servait le Père avec loyauté. C'est à eux que vous et tous les humains de cette planète devez votre réalité. Ça pue le boss. Ou ça. Ok, cyberdémon comme ça, au calme.
pareil. Mini boss. Bon, ça il finit ce cyberdémon. Hey, salut Cybez. Désolé, je suis hyper focus. Donc des fois je regarde pas trop le chat. Mais bienvenue sur le stream, bienvenue sur Doom Eternal. Là on rip and tear. Je pense qu'on est presque à la fin du niveau. Et après ça, je pense qu'on va marquer la fin du stream en même temps. Ça, c'est une munition de BFG. C'est vrai que j'ai pas utilisé le BFG depuis le début de la game. Donc, du coup, je vais passer par là. C'est verrouillé. Ok, d'accord. Très bien. Ok, du maraudeur. Double maraudeur. Oh. On essaie de... Oula, 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 double maraudeur. C'est la première fois que je me bats contre... Ok. Ok. Sinon, normal. On fait comme on peut. Putain de chien de merde. Mais. Ah putain. Deux maraudeurs en même temps qui pop des chiens des enfers à chaque fois, c'est vraiment... C'est un peu chiant. Bon, c'est pas impossible, mais c'est... Voilà quoi, c'est chaud. On va essayer de...
Oula, erreur, erreur. Putain. Oula, oula. Ça commence très mal. Bah ouais, là ça commence super mal. Mais non! Oh fuck! C'est les chiens qui sont en train de me niquer à chaque fois là. On attaque par derrière. Culé de Klebs. Mais ah, fuck. Purée. On va se mettre là-haut. Ensuite, next. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? C'est comment? Ok, d'accord. Je croyais que c'était pas fini. Commencer les deux. Du moins que je recommence pas les deux. Ok, c'est bon.
Woohoo! What fucking mess? Oh, Tini! Tini, calme-toi! Aïe! Aïe! Calme-toi, Tini! Calme-toi! Houhou. Non, un petit imp. Il a demandé qu'à se faire démonter la gueule. Ok. Oh fuck. Putain, le chevalier démoniaque. Ils sont vraiment stylés, hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles? Reviens toi, petit im. Ouais, le mec avec son bouclier là, il m'énerve aussi. Qu'est-ce qui est?
Hey, merci pour le follow, c'est bête. Tac. Je triche un peu, je bats les couilles. C'est bon. Let's fucking go. C'est lui qui vous a octroyé votre puissance. Hey, je dois bouger bientôt et t'as l'air de kiffer. Je veux pas rater la suite. Écoute, en fait, je finis ce niveau et je vais m'arrêter là parce que demain boulot et chez moi il est déjà 10h15, frère. Et en vrai, n'hésite pas à revenir demain sur les coups de chez nous, c'est 20h. Je sais pas chez toi c'est quelle heure, mais disons que tu mets moins 2 parce que là il est 10h. Donc je vais commencer le stream vers 20h, un truc dans le genre, et part 2, stay tuned. En tout cas, tu t'es abonné, enfin abonné, t'es follow. Je pense que tu auras la petite notification quand je serai en live. En tout cas, merci à toi pour le petit follow. 10h du mat, un truc comme ça. Bah voilà, écoute, juste après le petit déj ou je sais pas. N'hésite pas à passer faire un petit tour. Et oui, je kiffe énormément, mec. Franchement, je crois que id Software... a vraiment fait un truc de ouf avec Doom, quoi. Déjà, Doom, le reboot, c'était de la bombe. Mais avec Eternal, ils ont tout pété. Game of the Year, Game of the Year. Ils tiennent le truc, c'est arcade. Et puis, l'histoire est pas mal, hein. Ça fait plaisir de voir des gens vraiment apprécier le jeu. Moi, j'adore, j'adore. C'est vraiment des shooters old school, hyper nerveux. Tu réfléchis pas trop, tu tires dans le tas et tout. Mais faut quand même avoir un peu de jugeote, quoi, tu vois. En fonction des mobs, etc., leurs faiblesses. Non, franchement, nickel. Moi, j'aime beaucoup. Je vais transférer ma conscience dans cet appareil, comme l'a fait Vega. Je suis là pour vous aider. Ah mais je vais bien te croire. Comme je l'ai toujours fait. Je vais bien te croire. Bah. Nice. Désormais, ils vous craindront. Pour le moment, c'est surtout le layout des arènes, tu vois. J'ai su qui vous étiez au moment où vous avez fouillé notre monde et ce que vous pourriez devenir pour nous. Je vous ai donné la machine divine et je vous ai donné tous vos pouvoirs. Que serait-il alors advenu de tout ça si je n'avais pas eu la clairvoyance de vous créer? Vous devez désormais vous acquitter de vos dons envers nous et envers le Père pour tout ce qu'il nous a offert en l'aidant à reprendre son trône. Il nous sauvera tous. Donc Samuel Hayden, c'est le Séraphin. De ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, on a fini ce premier niveau. Bon, j'ai pas tout exploré et tout. J'étais plus dans la découverte et tout machin. En mode... Mais ce DLC, il est... pas piqué des hannetons. Franchement, en plus, l'histoire... pour un Doom, qui aurait cru? Ouais, j'ai pris les deux DLC, direct. Ils étaient en promo, je sais plus quand, là, au milieu de l'année, un truc dans le genre. Je me suis dit, allez, let's go. Les deux DLC. J'ai pris toute la collection des Elder Scrolls, de Morrowind jusqu'à Skyrim. Et j'ai pris aussi Dishonored 1 et 2. Et je me dis, allez, c'est bon. Là, je suis parti pour des bonnes sessions de jeu solo. Parce que là, ça faisait en gros 2-3 mois que j'étais sur New World et tout, que je savais pas sur quoi jouer. Nanana. Et ouais, ça va être nickel.
sur ce, moi je vais vous laisser là les gens. Merci de m'avoir suivi, je suis super content. Je crois que c'est l'effet casquette lunette qui a dû attirer. D'habitude je suis personne, tu vois, j'ai peut-être un ou deux des copains comme ça, mais là je vois des nouvelles têtes et tout, ça fait plaisir. Et on se retrouve demain même heure, vers 20h, donc 10h pour vous les Français. Pour la suite, part 2 de ce DLC qui, j'espère, tiendra toutes ses promesses. Et yes, sur ce, bonne soirée ou bonne journée. Et à bientôt, bye bye. Now it's my pleasure to introduce.